Salut les amis, c'est Wolfegon et on se retrouve pour un nouvel épisode de Wolf et dans le pré. Le dernier épisode était un épisode de, une sorte de préparation pour aller dans le Nether et maintenant on y va. Donc je me suis préparé très peu de bouffe, une armure en or, alors je sais vraiment pas si elle va me servir, mais tant pis, hein, c'est la seule chose que je pouvais me confectionner. J'ai quand même une épée en diamant, une pioche en diamant, une pelle. Et de quoi manger en cas d'extrême urgence. Ah, je rame, non. C'est... Voilà. C'était du faux. Alors, maintenant que la maison n'a plus besoin d'être décorée de l'extérieur, on va la décorer de l'intérieur, et pour ça j'ai besoin de glowstone. Alors, comme dans les grottes, cet épisode se jouera en mode hard, car dans le Nether, eh ben, on va en mode hard. Et j'ai quand même pensé à prendre un briquet. Ah bah voilà, je suis tombé, j'ai déjà perdu un demi-bouclier, donc ça c'est génial. Bon bah allons-y, hein. Alors je vais quand même placer deux torches de chaque côté. Oh, non, si ça rame, ça va pas aller, hein. Deux torches de chaque côté, voilà. Bon, ça devrait aller pas mal. Allez hop, allons-y. Option. Hard, on y va. Ah, j'ai pas envie d'y aller. Surtout que je suis un petit peu malade. Et que cet épisode, j'ai bien failli pas le tourner. Du moins pas aujourd'hui. Pour... en ce jour d'enregistrement. Mais, et ben, comme vous le voyez, j'enregistre. Même avec un de mal de crâne. Voilà. Très belle censure, ou une auto-censure. Vous êtes quand même 359 abonnés sur ma chaîne en ce moment, c'est juste inespéré. Merci à vous d'être là, et si je fais cet épisode, bah, c'est pour vous, pour pas que vous soyez en manque de contenu. Mais sachez que très prochainement, c'est-à-dire pendant les deux premières semaines de septembre, eh ben, je ne serai pas là. Voilà, je ne serai pas là, puisque je suis en vacances. Et ouais, en vacances alors que tout le monde va rentrer. C'est dégueulasse, je sais, mais... C'est pourtant nécessaire. Donc je sors, me voilà dans le Nether, et je suis déjà en train de me faire attaquer. Oh purée. Alors. Ils sont gentils les ghasts, mais ouh. Bon, alors. Bon, on connaît ce monde, on sait ce qu'il nous réserve. Il est plutôt... Voilà, c'est plutôt pacifique. Les seuls monstres qui nous font du mal, c'est les ghasts. Moi, je me fais pas trop d'inquiétude. La seule chose qui m'inquiète vraiment, c'est le lag que j'ai, quoi. C'est un peu abusé. Pourtant, je suis en mode d'énergie maximale. Donc finalement, bon, il n'y a pas de quoi vraiment avoir la trouille de chez Trouille. Ah, peut-être ici, quand même. Il va falloir que je creuse. Oula. Bon, je vais en profiter pour récupérer un peu de netherrack. Puis avec ma pioche en diamant, ça va le faire, je pense. C'est quelque chose qui me permet d'aller beaucoup plus vite. J'entends répéter des choses que tout le monde sait déjà, mais bon. Ah, ouverture. Une grotte dans le nether, c'est cool. Bon. Le problème, c'est que là, c'est un peu haut pour moi, en fait. Il faudrait que j'arrive à me repérer, et pour ça, il faudrait que je place des torches un peu partout. C'est d'ici que tu viens, pas d'ailleurs. Je vais remonter. Une grotte de Netherrack, c'est cool, ça. Bon, bah voilà. Hein. Petit épisode où j'aimerais bien... Oh, purée. Bon, c'est de là d'où je viens. Pas besoin de paniquer. Mon objectif premier est trouver de la glowstone. Donc oui, petit épi... Enfin,
Je vais en profiter, hein, parce que là, pour l'instant, c'est pas excessivement intéressant ce que je vais vous montrer, donc je vais en profiter pour vous dire autre chose. Donc effectivement, je pars en vacances, et je pars en vacances sans internet. Et ouais. Donc déjà, ça va me faire du bien, parce que j'ai passé tout mon été collé derrière mon écran, donc bon. Ça fait un petit peu mal au crâne, hein, tout ça. Déjà que j'ai un super mal de crâne en ce moment, je vous dis pas, si je reste trop longtemps derrière mon ordinateur, c'est un enfer. Mais c'est parce que c'était pour vous, parce que. Et puis surtout, Minecraft, c'est une aventure absolument fabuleuse, donc je ne pouvais pas me permettre de m'en passer. Mais bah là, va bien falloir, parce que parce que je déménage à partir du mois de janvier. Voilà. Il va falloir que je me trouve un logement pour l'année prochaine. Donc ça va être un petit peu difficile. Donc je pars en repérage du 2 au 16 septembre. Donc je reviendrai à partir du 19 pour vous concocter tout plein de belles vidéos. Et à partir du 19 également, je fais ma rentrée. Et ouais, parce que Wolf, il va à la fac en 5e année. Donc ça serait bien qu'il puisse travailler un peu aussi. Donc, oh là 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 là, mais je crois que je vais mourir. S'il y a des ghasts qui m'observent, je suis mort. Ça va. C'est très très particulier, je crois que là, pas le choix, il va falloir que je saute et que je me fasse très mal. Parce qu'en fait, la glowstone que je voudrais, elle est là-bas. Mais comment je suis pour y aller, moi? Ah non, bah il y a de la glowstone au plafond, je suis bête. Ah bah c'est bon, il suffit juste que je creuse. Ouais, bah c'est bon. Ah, finalement, je n'aurai pas besoin de sauter. Même si ça aurait fait plaisir à bon nombre d'entre vous. Et même à notre grand chef Ace38 qui adore me voir faire des fails en tout genre. Spécial dédicace. Mais rien que le fait que je tourne une vidéo dans le Nether avec un mal de crâne pas possible, rien que ça, déjà c'est un fail. Donc je vous le dis tout de suite, ça va être magique, je pense. Bon, la glow, elle est là-bas. Donc, mission récupération. Le but du jeu, si vous le voulez bien, de toute façon, vous n'avez pas le choix, donc vous allez vous taire, c'est de récupérer un maximum de Netherrack afin de vous faire une super grande échelle et de ne pas vous faire bouffer par les ghasts. Oh là là. Et surtout, ne pas se faire cramer. Ce serait bien gentil. Voilà, c'est franchement c'est pas passionnant quoi, mais parce que bon, mais par contre va falloir, oh là là, toi t'as voulu que je te tape pour me tuer aussi, hein, derrière, hein, comme ça. Mais ils sont suicidaires, les hommes zombies, les hommes cochons zombies. Alors, combien de netherrack ai-je repris? Oh bah c'est bon, j'en ai un stack, encore un petit peu quand même. Même si pour me faire mettre, ça va pas être extraordinairement intéressant de récupérer de la netherrack. Bon, cet épisode, je sais pas combien de temps il va durer. On en est déjà à 8 minutes de blabla intense. Donc je vais essayer de m'activer un petit peu et de vous récupérer de la glowstone. C'est parti. Donc maintenant, le but du jeu, survivre. Pff, puis alors, y aller. Les ghasts, je sais pas ce qu'ils font. Bon, ce qui est sûr, c'est. Oh là là. Où ils sont? Bon, ils sont pas loin. Allez, go. À partir d'ici, on saute. Alors, hop, je vais me mettre en sneak. Quand même. Pour éviter de me ratatiner la tronche, je vais me faire des petites plateformes. Ouais, super. Petite plateforme de la mort. Et alors par contre, je... Ah! Ah, j'ai perdu qu'un seul cœur, dis donc. Ah oui, merci mon armure. Ah, c'est vrai, oui, j'ai une armure en or. L'armure en or, certes, elle résiste pas ultra longtemps, mais elle résiste bien quand on tombe. Ah, ça c'est bien. J'avais oublié que j'avais une armure. Eh, comme quoi, en fait, même si je tombe, vous voyez, hein, j'ai quand même prévu le coup. Alors, ça va être beaucoup plus difficile. Moi, je songe quand même à utiliser le mode Nethercraft, hein,
Ça, je vous le dis tout de suite, le mode Nethercraft, histoire de rendre les mondes un petit peu plus intéressants. Je me spoil, enfin, je vous spoil un petit peu, mais je pense que ça fera peut-être l'objet d'une prochaine série sur Wolfaction, quoi. On va essayer de s'aventurer dans le Nether et de rendre ce monde un petit peu plus intéressant qu'il ne l'est déjà pas beaucoup. Ah, je suis désolé hein, pour tous les aficionados du Nether qui le trouvent. Ouais, c'est génial le Nether. Oh là mince. Je récupère pas des masses. J'essaie de faire un petit pont de Nethercraft. De Nethercraft, de Netherrock. Pour essayer de récupérer un maximum de loot. Et de poussière de glowstone. Voilà. Parfait. Comme ça, si ça tombe, ça tombera pas à côté. Je vais essayer de garder quand même, hop, ça, là. Voilà, super. Comme ça, je peux la récupérer sans trop me soucier du reste. Alors, les ghasts, on les entend, mais on les voit pas, quoi. Donc, pour l'instant, bah, je fais ma petite récolte de pépère tranquille. En essayant de pas creuser sous moi, parce que si je creuse sous moi, je suis complètement mort. Mais alors quand je dis mort de chez mort, c'est mort de chez mort. Bon, ça tombe par terre, tant pis. Oh, 45 de glowstone, je pense qu'on peut se permettre d'y aller. Hein. Ouais, bon, allez, tant pis. Ouais, je vais pas tenter le diable. Déjà qu'on est dans, on est en enfer. Si je tente le diable, je sais pas ce que je vais devenir. Bon, allez, voilà. Allez, hop, je saute. Voilà, ça c'est fait. Du pain. Manger du pain. Où il est mon portail? Il est là-bas. Me suis fait quand même fait une échelle, donc ce serait bien que je puisse la retrouver. Ils sont là les ghasts. Allez hop, vite, 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 vite. Oh là là. Quel enfer. Vite. Mission, réaction. Faut pas qu'il me tape dessus. Yes. J'ai réussi à sortir du Nether. Cool. Alors, vite, option, peaceful. Super. Bon bah voilà, hein, j'ai réussi. Presque 12 minutes et demie et... Ah bah c'est bientôt le début de la journée, on va quand même aller se coucher. Voilà. Bon, escapade du Nether, franchement, on pouvait s'attendre à beaucoup plus de fails et autre chose. Je me suis bien débrouillé quand même, ça va, je me suis pas trop fait taper. Donc, ça va. Même malade, Wolf réussit. Ouais, super. Le point sur la manche et l'autre point en l'air. C'est génial. Allez, dodo. Hein, je vous l'ai dit hein, au début, pour celles et ceux qui nous rejoignent et qui n'ont pas vu les premiers épisodes, Wolf et dans le pré n'est pas une épisode. Enfin, une épisode. N'est pas une série où il y a un maximum de castagnes et tout ça. Tout ça, c'est dans les grottes et tout. Mais bon. Voilà quoi, si je peux essayer d'éviter le combat, je le fais, si je peux pas, bah tant pis. Hein. Mais au moins, je suis tranquille, je suis content d'avoir récupéré ce que je voulais. Et les combats, bah c'est généralement dans le dans les grottes que ça se fait. Et j'estime que vous avez déjà eu quand même pas mal d'épisodes où il y avait quand même des choses intéressantes. Pas pour autant que je vais essayer de vous faire de de la merde, hein, attention. Voilà. Bon, ça n'a pas marché. Voilà, alors 10 de glowstone. Donc maintenant, j'en ai que 10 de... Voilà, il faut pas que je me loupe. Je vais essayer de mettre des petits lampions. Pour ça, je vais avoir besoin de mes... Voilà, enfin bref, vous avez compris. Alors est-ce que je peux... Ah, je peux pas en mettre ici, je suis bête moi. Est-ce que je peux en mettre là?
Je peux pas en mettre là non plus. Oh mince. Oh bah je peux essayer d'en mettre un là. Ah ça va être drôle. Hop, je casse ici. Je place un là. Un là. Donc en gros je peux carrément casser le bloc de bois qui est en dessous. Et le remplacer par un formidable bloc de bouse. Voilà. Hop. Je replace ma barrière en dessous. Ça c'est très 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 pratique. Forcément, ça va pas marcher si j'essaie de le placer là. Ah, ouais, pourquoi pas, mais je trouve ça un peu moyen. Et. Oh non. Ah voilà, j'ai gâché déjà un premier bloc. Ah bah non, je récupère ma netherrack, donc c'est cool. Comme je récupère à chaque fois, ce sera pas trop du gâchis, j'en ai même un de plus, donc ça c'est bien. Bah écoutez, hop, on place ça comme ça. Ah, voilà, cool. Et même très cool. Donc je casse à l'aide de mon épée. Le problème c'est que là le lampadaire il va être très 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 fin, plutôt bas en fait. Donc on va rajouter ça là. Voilà. Un de hauteur en plus. Je casse et je place mon petit lampadaire de glowstone en dessous. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle un petit lampadaire réussi. Maintenant, je continue. Je fais la même chose de l'autre côté. Hihi. Effet de baie. Idiot. Non, c'est pas là que je dois casser. C'est les deux du dessous. Ouais, comme ça me permet d'avoir des petits lampadaires. À l'entrée de ma maison, tout simplement. Ça, c'est une idée que j'ai déjà vue sur des serveurs comme Enfield. Et puis également avec la Gravity. L'idée de ces petits lampadaires m'avait déjà séduit. Enfin, séduit, pardon. Séduit. Oh là 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 là, il est temps que je retourne à l'école, moi. L'idée m'a séduit. Moi, masculin, moi, homme, moi, être masculin. Moi, séduit, moi. Voilà. Ah bah, cochon. Allez, parce que je me suis aperçu que les stocks de nourriture étaient quand même au plus bas. C'est-à-dire plus de côtelettes. Absolument plus aucune côtelette. Voilà. Bon bah, c'est cool. J'ai ma glowstone. Donc maintenant. Par contre, 9 de glow, ça va peut-être être un tout petit peu just. Bon, j'en ai deux, c'est déjà pas mal. Je vais peut-être pas abuser. Je crois que les torches, on va peut-être les laisser, à moins que j'en mette genre. Je mette un. Enfin, je suis en train de marcher sur mes futures plantations. Un de glow ici. Ouais. Puis un ici. Voilà. Ça n'empêchera pas mes plantations de pousser ici, puis ça me sera très utile. Voilà. Très bien. On peut en rajouter là? Bah c'est pas grave. Si les idées me viennent, elles viendront. Ah, moins que, attendez. Si je casse ça, je récupère mes 4 de glowstone, donc je ne perds rien, c'est génial. Je place encore une barrière. Et là, je le place en l'air. Voilà. Ah, c'est quand même plus joli. Surélevé comme ça. Je récupère la torche. Tant pis. Je ne la récupère pas en fait. Voilà, les 4 de glowstone. Ça, c'est génial qu'on ait plus de gâchis.
Alors, est-ce que c'est le fait que je l'ai cassé avec une pioche en diamant? Ça, je ne saurais vous dire. Mais en tout cas, ça a beaucoup plus de gueule comme ça. C'est cool. Très très cool. Bon, bah voilà. Ça, c'est bien. Alors, est-ce que je vais... Ouais, on est à 19 minutes de vidéo. Mais écoutez, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode, épisode 18 dans le Nether. Ça a été plutôt rapide mais efficace. Et puis on se retrouve dans le prochain épisode. Salut tout le monde, à bientôt!